Deux responsables de la jante féminine du Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire, PPACI, n'étaient pas en odeur de sainteté. Une situation qui a servi d'occasion au secrétaire général d'Amana Adia Picasse d'avertir tous les membres du parti sur de tels écarts de conduite. Le secrétaire général du Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire, PPACI, d'Amana Picasse a produit un communiqué afin de remettre les pendules à l'heure. La tension qui existe entre les camarades Jetouan Viviane et Akissi Chokarine a fini de jeter le discrédit sur l'image du parti de Gbagbo. À travers cette discorde qui s'est transportée dans le viral, c'est toute cette famille politique, qui tente de s'implanter, qui sera impactée. Damana Adia Picasse, après avoir dispensé des conseils aux deux concernés, n'est pas passé par quatre chemins pour mettre en garde tous les militants qui s'adonneraient à de tels agissements. Le communiqué il nous a été donné d'assister ces derniers temps, sur les réseaux sociaux et parfois à travers des vidéos, à des invectives entre les camarades Jetouan Viviane, membre de l'école du parti et Akissi Chokarine, secrétaire national technique en charge de la promotion du parti auprès des nouveaux majeurs. Les camarades, en toute humilité, ont reconnu avoir mal agi. Cette situation n'honore pas le parti et n'est pas digne des valeurs que le PPACI véhicule. Le secrétaire général a interpellé les camarades susnommés, ce vendredi 25 mars 2022 au siège du parti. Après écoute, il leur a prodigué des conseils. Les camarades, en toute humilité, ont reconnu avoir mal agi et ont promis ne plus jamais s'adonner à de telles pratiques à l'avenir. Lire aussi présidentiel 2025, sévère mise en garde du PPACI contre une éventuelle invalidation de la candidature de Gbagbo. Le secrétaire général tient à rappeler aux militants et surtout aux membres des instances, que le parti dispose en son sein de mécanismes pour le règlement de tout différend. Il appelle donc, chacun, à plus de responsabilité et à l'observation du principe de base du militantisme au PPACI, la discipline. Le secrétaire général tient à indiquer que, désormais, tout membre de la direction qui expose le parti à un tel déshonneur s'expose à des sanctions. Le secrétaire général d'Amana Adia Vidéo.